Allez. D'accord, d'accord, tout le monde s'assoit. Voilà ce que nous avons. Nous avons une affaire intéressante sur les bras. Les visages que vous voyez sur vos tablettes sont ceux des frères Tran. Ok, elle va fermer sa gueule derrière. Oh, on va le faire chier. Ils viennent d'une famille ordinaire de Kawayu. Je sais que c'est pas notre quartier habituel, mais nous avons un mandat d'arrêt pour les trois. Une opération en cours surveille un concessionnaire automobile à North Hills qui sert de couverture à un réseau de modification d'armes. Nous avons deux hommes à l'intérieur de la concession et ils ont remarqué qu'un grand nombre d'équipements très intéressants entrent dans l'atelier et sont récupérés par Tow Tran. Il ne s'agit pas non plus de pièces détachées de voitures ordinaires. Il s'agit de tout ce dont vous avez besoin pour transformer un semi-automatique en mitrailleuse. Les frères Tran sont dépassés par les événements et nagent dans les eaux dangereuses. Les informations que nous avons obtenues de l'intérieur de la concession nous renvoient à des noms importants et très dangereux. Ces garçons ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués. Que cherchons-nous dans la maison ? Il est fort. J'y viens, tranquille. L'aîné, Anne, est ingénieur en mécanique. Il se procure les armes quelque part. Il les modifie dans le grenier avec des pièces qu'il commande à ce concessionnaire de North Hills. Nous n'avons pas la confirmation, mais je les soupçonne de les vendre par ce biais également. Les choses sont un peu compliquées cependant. Les garçons vivent toujours à la maison, leurs parents sont âgés et retraités, la mère des garçons, Wu Nguyen, est mourante. Elle est atteinte d'un cancer du poumon de stade 4. C'est elle qui nous a appelés et nous a donné l'information. Il s'avère qu'ils ont des difficultés financières et qu'ils ne peuvent pas payer les soins médicaux. Ses fils se sont tournés vers la main. Donc l'organisme, afin d'obtenir suffisamment d'argent pour payer son traitement et aider leur père à se désendetter. Merde, putain. Ah, y a pas de hasard, hein. Tu regardes les dates de naissance, 2000, 2003. Y a pas de hasard. Oui, et elle est alitée à la maison, la nana. Lorsque nous entrons dans la maison, nous devons agir rapidement mais avec prudence. Je veux une petite équipe à l'intérieur, avec deux équipes qui attendent sur les côtés, 1 et 3. Juste au cas où les choses tourneraient mal rapidement. Ces garçons sont armés, mais je veux éviter une fusillade si possible. Les parents seront à la maison et nous n'avons rien qui les lie aux armes. Mais nous devons nettoyer la maison, y compris la mère. Oula. Nous aurons un RA sur place pour nous aider. Nous devons aller dans le grenier et sécuriser tout ce que nous pouvons. Il faut que les Tran soient emmenés pour que nous puissions en savoir plus sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils et pour qui ils le font. Des questions, des problèmes ? Vous avez oublié quelque chose ? Négatif. C'est très bien, ouais. Bonne chance et soyez prudents. Donc du coup, objectif primo... Vas-y Grumpy, tu le fais. Fais ton GV. Primo objectif, ramener l'ordre. Sauver tous les civils et locate... Ah ouais, en anglais. Le mec bat les couilles, on avait ras le cul de traduire. Locate weapon manufactory. Donc, ramener l'ordre, sauver tous les civils et essayer de trouver la manufacture de l'atelier de d'armes. Des Tran. Ouais, ok, d'accord. D'armes. Donc, les suspects, du coup, Andy Tran, Thorn Tran, Vinny Tran et Diego Perez. Alors, Perez, je vous en ai pas parlé, mais la famille Tran le considère avec affection. La famille de Perez, elle est même connue des problèmes financiers, elle a hérité du sens du devoir des Tran. D'accord ? Donc, bref. Ok. D'accord. Et on aura sûrement des civils, à savoir les parents. D'accord ? Peter Tran et Nguyen. Sa mère. Leur mère. Reçu. Ok, parfait. Impeccable. Sur la carte. Grumpy tirait à passer droit au campus. Ah ouais. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est les trucs de tout à l'heure, ok, ça marche. Ça a un petit papier. On voit pas grand chose avec la lumière. Effectivement. Merci Grumpy pour les 7 mois. Ça a été scanné sur les toi, trucs là, les projecteurs. Ah, merci Grumpy. réfléchissons du coup. Ok, non, c'est donc. Pas le même. Une fois de plus, la carte nous a été donnée avec ce qui nous. Avec ce. Dans des vieilles archives de merde, quoi. Il y a peut-être des modifications sur ce qu'on trouvera sur place, entre ce qu'il y a sur la map et ce qu'on trouvera sur place, d'accord ? Donc laissez-moi le temps, à la limite, de me réadapter si besoin est, ok ? Je ne connais pas et vous ne connaissez pas non plus les lieux, d'accord ? Bon, le chef, il était sympa, point 1 et point 3. Je regarde.
Ok, en avant. Bon, en attendant, au niveau des points d'insertion, du coup, on a soit la plage, soit la rue. Ok. Je vais checker sur la map. Ok, on va commencer par la plage, d'accord ? On tapera tous au niveau de la plage, ce sera plus simple. Okay. Tout le monde est prêt ou pas ? Ouais, fille. En avant. Fille. Hey Baizou, quand je te dis sois prêt à tout moment, évite de me... Ok. J'ai été... j'ai dit ça comme ça. J'ai pas envie d'être blessé à celle-là. En plus, j'étais vraiment prêt et j'ai le temps que je baisse mon viseur, et ben il avait fait son boulot, le petit gars. Bah du coup, t'étais plus prêt. Bah non, mais en fait, je me suis dit, putain, si je tire dans le haut du corps, je vais le finir, quoi. Ouais, le shotgun est toujours... Bah non, mais le haut du corps... direct non, mais là, bus, j'étais vraiment, j'étais vraiment en plein dans la tête, quoi. Donc j'ai dû ajuster mon truc. Tu tenais une ligne. Au niveau de la tête. Bah tu mets pas un crosshair au niveau de la tête avec le shotgun où il faut éviter la tête. Hein. Moi, il est toujours baissé, mon shotgun. Bah oui, mais j'ai réfléchi après, en fait. C'est au moment où il a déboulé, je me suis dit, merde, putain, c'est déboulé. C'est souvent ça, le problème, de réfléchir. Et en plus, je l'entendais marcher. Et du coup, j'ai pas tout s'emmêlé dans ma tête, mais ça se reproduira plus jamais, ça, c'est sûr. Très bien. Allez, en avant. Oh. Wow. All right. C'est Zoli. Ok, vas-y Jumper, avance. Ok, très bien, vas-y Grumpy, prends le lead. Wow. Doucement les gars, please, ça shift fort. Doucement, doucement. J'appuie sur un. T'en vois rien sur les cams, c'est blanc. Et alors, t'es raciste? What? Oh. Attention à hauteur, du coup. Ouais. Ok, Jumper, tu vas avancer jusqu'au 5 mètres là. Et tu vas stopper et tu vas me dire ce que tu vois. Main courante à gauche pour les parents. Ok. Ah, nickel, c'est mieux. En cas contact visuel sur un PAX. Mets-toi main courante à droite, Baizou. Une rue avec plein de véhicules. Vas-y, arrêtés avance, à la hauteur du Jumper. Aucune, où je peux avoir aucune information derrière les véhicules. Okay. Et la rue continue sur la gauche. Ah non, c'est formé, bloqué à gauche. Okay. J'ai plein de fenêtres, donc attention au contact. Ok, fenêtres. Tu m'as dit, il n'y a pas de PAX. Hein. Si, il y a un PAX. Non, je vois pas de PAX. Mais il y a les véhicules qui me bloquent la vision, donc je peux pas voir juste. Ok, ça marche. Et à gauche, tu m'as dit, il y a un. Okay. Et à gauche, c'est bloqué. Ok, derrière. Danny, ou Six, je sais pas. Un derrière Baizou. Ok, on va enrouler sur la gauche là. Et t'as un truc là que tu peux te mettre derrière, Jumper? Attends, le bâtiment moins, à ouais. Taper, c'est le bâtiment qui est à nos 11h là ? Ah, fille, c'est le bâtiment blanc, ouais. Ok. Ah, le bâtiment blanc, ouais, ok. Ok. Baizou, à la limite, Baizou déjà, on va essayer. En faisant attention aux fenêtres, du coup, tu vas taper derrière le van, du coup, ok ? Qui est face midi, d'accord ? Ouais, midi. Et je te suis, d'accord ? Sans marcher, mais sans courir non plus. Okay. Allez, 3, 2, 1, je te suis, go. Ouais. Ok, top. Non, si, mais de l'autre côté, ma courante à gauche. Bah, je laisse Grumpy faire. C'était juste pour redonner un peu de l'attitude là. Okay, on dirait qu'il y a une porte de garage ouverte à nos 11h. Laisse-toi, poulet. Danny, tu suis derrière. Ok, ah, écosson. Écosson à l'intérieur au niveau du, au niveau de la clim là. Quand tu veux, hein, Jumper. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Ah, si. Il okay. Semblerait bien que la porte de garage soit ouverte. Derrière la voiture rouge là, voiture rouge et grise, il y a une porte de garage ouverte. Ok, attends, laisse-moi regarder du coup. Mets-toi bien main courante à gauche là derrière le buisson. Voilà, nickel. Colle-toi au buisson. Vous entendez écosson à gauche? Bouge plus. Et une porte d'entrée également. Les gars, il y a quelqu'un qui veut bien me dire où est-ce qu'on vient d'arriver là? Je regarde ça. Navier, on vient des SK qui dessinent en rouge. Ok, bien pris. Je pense. Pas super, sûr. Merci poulet. Oui, oui, effectivement. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une porte à gauche là? Non, ouais, fille, une porte à mes midi là. Hein. Ouais, mais non, porte mais négatif. Ok, mais non, ça là. Attends, deux secondes. Si vous avez le temps de regarder. Je regarde, moi. Le truc sur le 1 là. La croix sur le 1. Elle existe pas celle-là là.
Afi, elle n'existe pas du tout. Ok, attends. Bien pris. Ouais, Afi, ça n'existe pas. Attention, il y a un grenier tout au top. Hein. Ouais. D'accord, donc c'est une haie qui est sur le côté gauche. À moins d'enrouler derrière la haie, non ? Ah, j'entends quelqu'un justement au niveau de cette haie à l'extérieur, ouais. Ouais, de l'autre côté de la haie, ouais. Ok, je regarde du coup. Du coup, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il y a un truc comme ça que je viens de dessiner sur la carte là. Est-ce qu'il y a la possibilité de passer au niveau du. Est-ce qu'il y a la possibilité. Derrière la haie, tu crois ? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a la possibilité de taper sur la croix 1 en fait ? Ok, Grumpy dans tous les cas, en avançant tranquillement. Quasiment sûr, ouais, que c'est possible. Venez vous coller contre la paroi avec les fenêtres de merde là, et venez checker la porte d'entrée, please, ok ? Bien pris. Ouais, c'est ce qu'on fait. Vas-y, fais gaffe, Jumper. T'as une ouverture là, non ? Une ouverture, ah, ouais. Il y a la porte d'entrée sur la gauche. Ouais, mais oui, je pense que c'est comme d'ici, okay, bah, maintenant il y a une. Ouais. Ouais, okay. Voilà, bouge plus. Bon, bah, du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est fermer la porte d'entrée et venir jouer, du coup, cette espèce de cour extérieure, là, ce yard, là, qui a l'air énorme, là. La porte d'entrée est fermée. En sachant que le garage, on peut pas le fermer. Hein. Le garage est ouvert. Ok. Ok. La porte d'entrée est fermée. En fait. Quel garage ? Ah oui, d'accord. Ok. Je vois. Ok, non mais nous on l'a le face garage, hein, Grumpy, hein, vas-y, hein, va falloir. Ouais. Si c'est wedgé, ouais, la porte d'entrée du coup. Mais pourquoi on peut pas. Ok, ouais. Et vous faites main courante à gauche derrière la haie là et vous tapez le yard qui est derrière vous là. Vas-y, Jumper, quand t'es prêt. Prêt. Tu vas faire une ouverture. Vas-y, ouvre ton nom. Moi je prends la porte. Ok, j'ai un portail qui bloque l'accès. Affirmé, à mon avis, c'est une porte qu'on peut ouvrir. Ouais. Mets-toi debout, ouais. Je de wedge. Ok, ça marche. Vas-y, avance, Jumper. On va jusqu'à la porte du jardin. Ok, on a accès au jardin, nous, qui est affiché du coup sur le notre plan. Ok, nickel. Je pense. On va prendre un visuel. Grumpy, regarde avec sa. Non, regarde, hein, parce que j'ai envie de le jouer celui-là, comme si c'était une porte ouverte au final. Hein. Ouais, non, mais je mettais juste un wedge au cas où. Okay, à moins que tu penses que ce soit dégueulasse et qu'on le joue pas. Bah, je vais vous dire ça. C'est de te mettre sur la pointe d'épée et regarder à travers les barreaux au-dessus là. Je peux pas plus. Tu sais. Ouais, non, mais je peux pas. C'est ce que j'essaye. Mais je peux pas. Non, mais vrai. Là, ouais, non, tu peux pas. Ouais, non, mais je peux pas. C'est même sur la pointe des pieds ? C'est trop. Ah, dommage. T'as décalé-toi un peu, Jumper, s'il te plaît. Et qu'au son intérieur, non ? Ça parle au niveau de l'entrée, ouais. Ok, bon, l'entrée pour le coup. Mais allez, ouais, y'a pas de soucis. Ouais. Oh, le truc merdique, quoi. Ah non, t'as pas de visuel ? Non, je peux pas, nulle part, j'essaye, mais ça veut pas. Ok, bon, bah, j'ai pas le choix d'être sous la porte. Le problème, c'est que je vois rien parce qu'il y a de l'herbe, en fait. Et l'herbe, elle est. Ouais. Y a pas de piège à la porte. C'est... Ok, possible. Mais après, au Grumpy, deux secondes, pas. Stop. Possibilité 1, du coup, on la joue ce truc là. Possibilité 2, on fait c'est notre point de départ. Du coup, on wedge et on va faire main courante le long de la maison. Du coup, et c'est en particulier au niveau du garage qui nous emmerde là. C'est comme vous voulez. Bah, c'est comme vous vas-y, voulez. Vas-y, wedge. Ok, c'est d'accord. Wedge. Main courante à gauche maintenant. Attention aux fenêtres là que je vois pas moi. Et vous allez taper la porte du garage pour nous, s'il vous plaît. Merci. Ouais, donc info sûr, il y a un mec à l'entrée, je l'ai entendu parler quand même. Attention, Jumper debout. Et là, à tes 11h, du coup, Jumper, t'as une porte de garage et j'ai zéro info dessus, d'accord ? Je vais prendre la M320 et Grumpy, c'est toi qui reprends le lead, poulet. Ok. Les Jumper, décale comme eux, s'il te plaît, Baizou. Hein. Va te mettre en crabe à droite, poulet. En crabe à droite. En crabe, droite. Ok, vas-y. Toujours. Stop, Baizou. Il y a des pour l'instant. Ok, je prends la fenêtre d'Ani, moi. Je prends les fenêtres. Mets-toi en au-dessus. Niveau à droite, de la porte du garage droite. Tiens, en allant, doucement. Ouais, me font peur les fenêtres. Viens de coller contre le truc. Arrête, bouge pas, Jumper. Avance, Baizou. Avance vite. Je pense que. Avance. Il y a un mec qui va sortir. J'ai peur qui va venir dans le garage, je suis pas sûr. Je sais pas s'il y a une porte ou pas. Baizou, à gauche. Mets-toi là, s'il te plaît. Regarde-moi la cam. Continue. Doucement. Toujours en crabe, sur le coin. Il y a un pack. Continue, je suis pas sûr en fait. Continue.
Non. Pourquoi ça a fait ça? Autant pour moi, c'est une erreur, c'est rien. Okay. Afi, je crois. Allez, il y a une porte. Il y a une porte. À 9h dans le garage. Je suis en face de la porte. Ouverte. Il y a un PAX, non? Et je crois qu'il y a un PAX pas loin, ouais. Parce que Afi, j'ai un PAX en visu. En okay. Contact. Ok, je l'envoie. Non, Dani, t'es derrière lui. Je pense pas, je suis sûr. Mais je pense avoir un PAX. Parce que en fait, on a du mal à voir, ouais. C'est très sombre à l'intérieur. Dans le truc. Loupé. Dans la porte, ouais. Ok, non, je. J'ai balancé dans le garage comme une merde, ouais. Ouais, non, arrêtez, laisse-moi que ça sert à rien. Ok. Je vais avancer toi, Denis. Non, fais gaffe, fais gaffe, Macron, on t'a droit quand même. Ok, non, laisse tomber. Parce que là, avec les fumées, on a plus de visuel du coup. Ouais. Le problème, c'est que c'est une vieille vide, ça. Y'a rien qui protège. Le mec, il peut me tirer à travers la fenêtre. Ouais, quoi. C'est ça le truc. Mais je pense qu'elles sont. Fais gaffe à ton bouchon arrière, elles quoi. Elles sont pas opaques. Non. Ok. Non. Okay, je vois pas à travers parce qu'il y a un rideau, mais juste, je suis sûr de l'extérieur, il me voit. Je me perds, on va avancer tous les deux juste pour voir. Après. Faut essayer de prendre un visuel, savoir s'il y a une porte ou si c'est juste une arche en fait. Ok, je vois des gonds donc je pense qu'il y a une porte. Ok, bah Jumper, reste debout, va te coller à la porte et remplace-la au pire. Vas-y doucement. Ouais, doucement. Faut pas qu'ils nous entendent. Et après tu fais un passage. Si il y a une porte, tu vas pouvoir la. Tu. Mets-toi à droite de la porte. Ouais, à droite de la porte, tu fais un gros passage de gauche vers la droite et tu le laisses. Cossant à mettre 3 heures. Ok, hop, je la ferme. Allez, parfait. Fermé, wedgé, terminé. Vas-y, Jumper, tu peux décrocher. Et tu peux reprendre avec Grumpy derrière. Et Grumpy, tu peux faire un. C'est bon. Y'a une ouverture dans le garage là? Ouais, y'a une ouverture dans le garage, ils peuvent sortir à tout moment. Please, on fait extrêmement attention. Ok, j'ai vu. Ah ouais. Je garde le visuel. Ok. Faites une main courante. Non, décale pas trop, Dani, please. Main courante à gauche et vous commencez à avancer le long de la maison là. Ok. Et nous on fera gaffe avec Baizu à cette ouverture dont vous parliez là. Baizu, tu peux décrocher, tu peux faire main courante complètement à gauche là, de mon côté maintenant. Ok. Fais gaffe, là-bas il y a une ouverture là où je suis en train d'éclairer. Ok, après. Allez, continue ma courante à gauche, j'arrive. J'ai une porte à midi qui est fermée. Oui, une qui donne sur un jardin sûrement. Et on prendra le bouchon arrière, on prendra le bouchon arrière à chaque fois, Baizu. Ok, bien pris. Éclaira jusqu'à la porte. Décolle-toi à la porte pour la bloquer. Tu peux t'accroupir, poulet. Parfait. Je fais la wedge. Si ça vient, c'est à tes 11h en fait. C'est à tes 1h, Baizu. Bien okay. Ouais, là, faites gaffe aux hauteurs, please. Vous vous baladez tranquille là, mais vous regardez pas les fenêtres. Le problème, c'est pas vraiment sur notre axe, hein. Le problème, c'est vraiment les fenêtres à l'étage, quoi. Du coup, là, ça peut plus contourner, du coup, la porte est fermée La porte est fermée, mais on peut peut-être continuer sur la droite, en fait. Ouais, voilà, c'est ça le truc. D'accord, bah laisse le shield, du coup. Ouais, viens, Jumper. Debout le Jumper. Hein. Je pense pas, mais on va aller vérifier quand même, on sait jamais. S'il y a personne derrière toi, je surveille les auteurs. Regarde pas la porte, regarde surtout la maison, Jump. Ok, Baizu, viens, on recule un peu, on décroche, tranquille. Ok, affirmatif, il y a une ouverture, bouge pas trop, hop, arrête-toi, Jumper. Ouais. Arrête-toi. On a. Tu veux te mettre sur ma cam, Six, on a une ouverture dans un mur. En brique. Baizu reste debout. Qu'on pourra pas bloquer du coup. Et j'ai un visuel sur une porte en bois qui donne sur un mini garage, j'ai l'impression. Ah, elle est horrible. Ok. Ah oui, je vois l'ouverture. Okay. Attends, je me mets accroupi ici, Grumpy pour toi. Ok, nickel. Tu vois la porte blanche là, on dirait un mini garage. Ouais, je vois. Okay. C'est mes yeux. Finalement, ouais, je sais. On peut taper par là et comme en fait Six et Baizu ils peuvent passer par la porte qu'on vient de wedge en bois là. Ça va les ramener directement sur notre gauche en fait. Je pense, ouais. Et ils vont se retrouver en face de ce qu'on est en train de voir. Merci Mister Coloscopy pour les 59 mois, t'as un monstre poulet. Ok, porte en bois du coup tu veux? C'est ça. Ok, très bien. J'arrive avec vous, je vais la regarder en dessous. Ok, très bien. Bah tu sais quoi, on va switcher, je vais aller avec eux moi. Et toi tu pars avec, avec Baizu, ok? Ok monsieur. Ok, la porte, elle est pas piégée. Face midi, on a justement,
au plus loin, en fait, c'est une petite. Ouais, c'est sort d'un petit KGB. Enfin. Au fond, là. Ce que vous avez en visuel, c'est. Ouais, une mini cabane, c'est ça. À gauche, on a une porte d'entrée, mais qui est fermée. Du coup, en fait, techniquement, on peut passer par là où on est. Là. Et on va, se on va se retrouver face à vous, en fait. Ok. Enfin, face à ce que vous voyez, en fait. Affi, affi. Ok, vas-y. Ok. Okay. Non, Jumper, moi, je prends votre bouchon arrière pour le moment. Pique. Ok, Jumper, quand ça avance au niveau du cul du camion. Vas-y, go. Vas-y. On a une fenêtre sur, la, sur le mini cabanon, ouais, là. Ça. Une fenêtre. Tu veux wedge la porte? On attend juste qu'ils soient, ils ont ouvert la porte et tout. Ok, on wedge la porte. Echo, Echo derrière la porte, il faut que tu la wedge. Ok, mets-toi du coup au niveau du sac poubelle. Jumper. Et tu, okay, prends, tu commences à prendre un léger visuel. Ok, marche. Ouais. Bah, du coup, en fait, quand tu cours, les mecs ils t'entendent et ils vont te mettre en travers. Attention, parce que là, les fenêtres sont. Ouais, c'est Ras, pour l'instant, j'ai aucun contact visuel sur Apex. Ok. Vas-y, bah, mets-toi en place, mets-toi devant. Ok. Ça te tire pas dessus. Ça a l'air bon. Il y a une porte en face de moi. Avec moi, c'est ça. Négatif, vous êtes tout seul pour le moment. Okay. Je prenais le bouchon arrière, moi. Okay, on a un visuel qui sur un escalier qui donne votre porte et la fenêtre. Oui, attendez les gars, nous on peut pas avancer parce qu'en fait à votre gauche on a du coup un visuel en bas et au-dessus il y a un balcon. Ok, ouais je vois sur ta cam. J'ai un écho. C'est moi qui viens de l'EPD. Tu peux okay. Quelqu'un peut venir fermer la porte s'il vous plaît derrière là. Ce que tu vas faire, Jumper, c'est que tu vas te mettre du coup à droite du mur. Wedge la porte poulet là. Au cas où. Il y a toujours une possibilité, les gars. Il y a toujours une possibilité que ça se promène derrière nous, d'accord? Ok, stop. Ouais, ok, alors, les gars, pas. Dans la rue, vous avez entendu l'info? Il y a toujours une possibilité que le mec sorte du bas, du garage quand on veut, là. Merci Zartex pour les 38 mois, t'es un monstre, mon poulet. Ok. Zartex tirait va passer droit au campus. Est-ce que vous voyez ma caméra ou pas? Je suis avec vous, les gars. Vous voyez un escalier qui donne en fait dans une autre entrée. Au top, à l'étage. Ouais, c'est un double escalier. Ouais. Ouais. Après, on peut ouvrir l'angle. On est, enfin là, on peut. Oui, si vous voulez, oui. Moi, je l'ai. Là, c'est la. Tu fais un bond, un lame, un courant à gauche, et tu te mets dans le coin de la maison. Là. Ouais, fini. Voilà. Moi, j'ai l'escalier au top. Tu regardes pas la fenêtre. On a déjà la fenêtre. Ok. Voilà, toi, tu regardes là. Voilà. La porte est ouverte en haut de l'escalier. Ok. Voilà. Du coup, là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez Jumper et Danny, vous pouvez avancer. Vous, Danny, toi, tu prends le balcon en visu, quoi. Et là, déjà. Ok. Sur les lights, ça fait des reflets dans les shields. Donc attends, il peut y avoir toujours une personne au niveau de la porte, là, au niveau de la fenêtre, hein, d'accord? Ah Jumper, bah oui, hein. Jumper, mets-toi entre la porte et la fenêtre debout, s'il te plaît. Entre la porte et la fenêtre debout, ok? Vas-y, call, 90. Denis, s'il te plaît, tu ouvres pour moi, d'accord? D'accord, t'as un angle en face de toi, normalement il devrait y avoir personne. Ok, mais en juste avance un chouïa, Jumper. Parce qu'en cas où que ça tire. Ça peut être juste derrière la porte. Ok, je vais pique. Vas-y, et tu rentres dedans instant. Allez, push là la porte, elle est pour moi du coup, à fin ce midi pour toi. Push là, c'est pour moi, vas-y, go, rentre dedans. Allez, enroule à gauche. Ok, RAS. Nickel, impeccable. J'ai une autre porte, porte en bois qui est dans la cour. Jumper, rejoins-moi du coup. Mais après. Ok. Grumpy, s'il te plaît, décale sur ta gauche de 2 mètres et viens wedger la porte juste à ta gauche là. On wedge derrière nous, les gars. Je prends ta place. Ok. Ok, il y a une porte ouverte effectivement au niveau du préau et je sais pas ce qui peut se passer en dessous de la porte. Vas-y, Grumpy, c'est toi qui reprends le lead, poulet. Vas-y, go. Je traverse, Allez, ils ont fermé. Ah ouais, non, mais ils ont wedgé en plus. Bah, debout, Baizou, debout, okay. Baizou. Je peux enlever s'il faut. Debout. Et passe en crabe à droite. Ok. Je vais checker sous la porte en fait pour savoir ce qu'il y a au fond. Il y a une petite fenêtre à gauche. Ouais, j'ai vu. Tu vois, okay. Ouais. Et bah avance jusqu'au contact de la fenêtre. Pour à gauche, face gauche, midi, gauche. Race, allez, vas-y. Jusqu'à 10 mètres, 20 Stop. Mètres, même, 15 mètres même. C'est race, il y aura encore un petit cabanon avec une porte en fait à nos 1 heure, mais elle est fermée avec des fenêtres. Ensuite, du coup, tu peux te décaler, Jumper, reculer, poulet. Et Cosson, à ta gauche, Baizou. Ok. Oui. Ok, j'ai un visuel. Sur la porte qui est ouverte, un peu à l'intérieur. Pour l'instant, je vois personne devant la porte. Baizou, bloque la fenêtre avec ton shield. Mets-toi sur la pointe des pieds, s'il te plaît. La fenêtre, décale un peu pareil, à gauche, t'es pas devant. Je vois rien à travers la fenêtre. Merci.
Du coup, techniquement. Pour l'extérieur, pour l'instant, c'est RS. Pour l'instant, c'est RS. Juste, le MEF a, a la porte ouverte, en fait, techniquement. Ok, okay, je suis en train de regarder sous, la, sous le truc, là. Mets-toi à gauche, du coup, jumper, je pique la porte. Sous l'escalier, j'étais en train de checker. Je vois rien. Ok. Ok. Grumpy, fais gaffe. Okay, il y a des fenêtres premier étage et deuxième étage, on n'est pas naïf là-dessus. Hein. Ah si. Ok, là, tu... mets-toi bien à gauche de la porte, tu bouges pas, jumper. Ok. Ça parle, hein. Ok, ça parle en espagnol à l'intérieur, ça doit être Pérez. Ok. Là, ce qu'on peut faire, là, jumper et Danny, vous allez pouvoir avancer, vous mettre main courante à gauche de l'escalier pour vous coller, en fait, pour être le plus proche des murs, pour éviter les fenêtres. Ok, bien pris. Vas-y. En gros, où se situe Six, quoi. Voilà. En marchant, bien sûr, pour pas faire de bruit. Nickel. Ok. Baizu, tu peux décrocher. Ok. Monte pas, Jumper. Non, non, je monte pas. Je prends la fenêtre, t'inquiète. Voilà. Les fenêtres en haut, on les refermé, hein. Affi, moi je les vois fermées. Hein. Porte ouverte, hein, du coup. Ouais, j'ai la porte ouverte. Je fais un... Et les gars, sur votre droite, y'a quoi? Un couloir. Non, non, sur votre droite, Danny. Attention, ça tire. Par la porte, par la porte. Ok, la smoke est partie, elle est partie, la smoke. Il s'est rendu, je crois, il s'est rendu. Mais c'est Diego. Ok, Baizu, passe. Baizu, pars à droite derrière Danny. Après. Stop. Y'a une fenêtre là, y'a une fenêtre, y'a une fenêtre de merde. Je reste devant la fenêtre, je vois rien. Fais gaffe devant. Ça part à droite. Ouais. C'est ce qu'on dit, écosse en droite, ouais. Bah, mets-toi en face de la fenêtre, s'il te plaît, Baizu, regarde. Merci. Il y a une porte ouverte, je l'ai pas en jouant. Je bloque la fenêtre, t'es safe. Bloque la fenêtre, absolument, regarde-moi. Ouais, t'inquiète, je suis sur toi quand même. Il y a une porte ouverte dans la pièce. Enfin, ouais, dans la pièce où Grumpy, on peut pas rester là, c'est vraiment la merde. Je vais smoker à l'intérieur de la pièce, puis je vais rentrer à l'intérieur de la pièce. Donc tu fais main courante à gauche, Baizu, pardon, toi pour moi. Baizu, go, tap. Il y a un mec qui se barre derrière, il va partir à droite, Six. Ok, je le prends à droite. Ok, je l'ai en vue. Tu l'as ? Ouais, enfin, tu l'as aussi, hein. Moi, je peux pas trop décaler, il y a des balcons de merde au-dessus de moi. Grumpy, reprend le lead. Il est rendu. Il sort une arme. Ça tire. Bien joué. Y'a pas que lui qui tire, hein. Porte à la porte chez nous. Ouais. Ok. Tu re-smoquais loin derrière la porte. Ferme, je fermais la porte. Il a pris la smoke, Okay, je wedge. Commence à avancer, jumper au niveau de la porte. Ok, là Baizu, tu vas te mettre. Ouais, voilà, tu sors. Re-smoke encore. Et tu te mets sur l'extérieur là pour. Ok. Faut le. Lui là, on va essayer de l'appeler déjà. Avance. Je l'ai en joue, faites-le venir. Voilà. C'est où que ça tire? C'est sur le balcon. Commence à l'appeler, jumper dès que tu peux. Tu l'as en joue lui, Grumpy? Affi, je suis en train de l'appeler. Ok, j'ai peur parce que. À tes 2 heures, tu. Ouais, t'es un monstre poulet. À tes 2 heures, t'as le yard là. En fait, tu l'appelles. Regarde sur ma caméra, s'il te plaît, Grumpy. Il y a toujours la possibilité qu'il y ait un mec qui arrive du jardin là. Affi, ok, tu l'envisages. Il sort. Baizu. Ouais. À ta droite. Ok, recule ton père, recule. Recule. Là? Oui. Touche pas. La fumée sur nous. J'ai smoké loin. Ok. J'ai smoké loin dedans, les gars, pour vous. Y'a un balcon avec une porte ouverte au-dessus. Coiffe-le, jumper, coiffe-le, reprends la porte. Ok, je m'occupe du premier. Diego est sécurisé. Ok, nickel. Ok, je peux pas le faire descendre, sinon le jumper est tout seul. T'as wedgé la porte là, Grumpy là? Affi, elle est wedge. T'es un monstre poulet. Y'a toujours le yard qui me fait peur là, attention. Ouais, je pense qu'on devrait rentrer. Jumper, je vais smoke l'entrée, tu vas essayer de faire un visuel. Voilà, bouge pas. Mais en fait, ça peut venir du yard et ça peut venir au-dessus de ma tête. On en a encore un qui va se rendre sur moi. Il a lâché là. Je balance des smokes loin. Ouais, non, on redescend un petit peu. Je mets des belles smokes loin pour vous les gars, tranquille. Ok, Six, reprends ma position. Ok, il se rentre. J'allais wedge la porte là sur eux. Il est en train de se casser. Prends ta position. Non, jumper s'il te plaît, reste remonté sinon je peux pas faire feu. Bouge surtout pas.
Attention, à tes 11h, je sais qu'il y a un balcon. Ouais, le balcon, je fais que de regarder le balcon. Mets-toi sur moi. Ouais, je suis sur ta cam. Fume sur vous, Jumper. Allez, Danny. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Mais c'est juste pour... Mais... Ok, ok, pas d'énervement, let's go. Mais non, parce que tout à l'heure, on a des mecs qui viennent à nous et je les arrête. Il a raison, si c'est traité, c'est traité dans ce cas-là. Ouais, ouais. J'essaie de l'appeler. Okay. Oh non, voilà. Qu'est-ce qu'il s'est fait? C'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. Calme. On attend qu'il arrête de tousser, tu vas pouvoir l'appeler. Bah, je vais m'en occuper plutôt. Baizu, toi, de ton côté, il y a quoi dans le... Il y a des gravats avec Ok, mais est-ce que c'est clear? Non, il y a toujours une possibilité que ce soit pas clear. Il y a une possibilité que ce soit pas clear, il y a une cabane de jardin et je vois pas derrière. Main courante à gauche, Jumper. Hein. Baizu, viens te mettre à ma place. Recule. Pour prendre les deux angles. À savoir le balcon et le yard qui est pas couvert. D'accord ? Donc viens te mettre là. Ici au niveau du gravat là. Voilà. Et le balcon et yard, s'il te plaît. Merci, poulet. Ok. Je vais les aider. Remplace la porte, Jumper, s'il te plaît. Ah ouais. Voilà. Ok, bouge pas. Je ferme la porte. Je smoke à l'intérieur. Tu peux la fermer. Je vais smoke à l'intérieur pour vous aider. Je ferme la porte. Tu peux le mettre à l'intérieur, gauche, main courante à gauche, Denis. Ok, vas-y, maintenant tu peux reculer, Jumper. Ici, voilà. Ils sont là. Là, c'est fait. Maintenant, elle est wedge, la porte, c'est bon. Ok. Faites gaffe à la fenêtre, là, please. Jumper, tu peux lâcher. Ok. Faites gaffe à la fenêtre, premier étage à gauche. D'accord, pas naïf, ok. C'est les fenêtres le problème, là, sur les deux étages. Ok, l'autre endroit qui a pas été clear du coup et qu'on va faire maintenant, ça va être le yard pour se donner un peu de latitude parce que ça va dans tous les sens. Est-ce que c'est bon tout le monde ou quoi? Oui, Afi. On en a arrêté combien? 4? On a tous les packs là, ennemis. Hein. 5? Ah, mais on sait pas, peut-être non, qu'il y non, en a non, deux, non, non, il peut y avoir encore d'autres personnes pour le moment. Ok, du coup, Baizu, tranquille. Pendant que Baizu, ce que tu vas faire, tu vas te mettre à droite de l'arche s'il te plaît, d'accord? Ouais. Droite de l'arche. Je passe derrière toi et je vais prendre une ligne profonde sur le balcon, d'accord? Tranquille. Okay. Ok, super. Jumper plus Denis, vous allez passer devant Baizu, s'il vous plaît. Vous allez gérer ce qu'il y a dans le jardin. Vous checkez le jardin, please. Le jardin devant Baizu, bien pris. Si vous me dites pas oui, moi pour moi, je sais pas si... Le jardin, avant gauche. Du coup, faut le dire en fait, si tu comprends pas, poulet. Devant Baizu, passe devant Baizu. Sous l'arche, à droite, à droite. Sous ton arche, là, à droite. Okay, main courante à gauche. Autant pour moi, c'est moi. Mets-toi accroupi, tu prends une petite info en même temps. Et du coup, le jardin. Juste clear le jardin et on est bon. Grum, tu fais quoi, poulet, toi? À part j'ai une arche, encore. Il fait un billard, ce fils de pute. Non, mais j'attendais, du coup. Ok, nous. On... Pour Danny et Jumper, là, ce que ça a donné sur leur position. Du coup, nous. Avance de l'autre côté nous, de l'arche, du coup. Je pense qu'on a une porte en bois en face de nous. Merci. Ok. Et on a une. On a une entrée à gauche aussi, et j'ai pas trop de visuel. Je suis sur ta cam, c'est la porte du jardin où laquelle je voyais rien parce qu'il y avait trop d'herbes. Il y en a une deuxième de porte. Ne soyons pas naïfs, les gars. Il y a toujours la possibilité qu'il reste des packs. Il y a toujours la possibilité que les mecs nous aient fait le cul aussi en passant par le garage. N'oubliez pas, ne soyons pas naïfs. On pourra jamais être absolument sûr que toutes les extérieurs sont clear. C'est ça que je veux dire. Vas-y, je vous laisse. Ok. Jumper, je vais lancer une smoke là dans l'ouverture qu'on voit là. Et tu vas faire une main courante dans l'angle là, à droite. Après. Du. Ok, je vais assister sur la smoke. Denis, c'est le jardin, ça, poule. Oui, et. C'est pas grave, tranquille. Ça proqué sur la smoke. Vas-y. Non. Fais gaffe à gauche. Il y a une porte à gauche. Ah oui. Recule. Ouais. Et toi, là, dans l'angle. Elle est fermée, elle est ouverte. Elle est comment la porte? Elle est fermée. Mais la porte à mes midi est ouverte, hein. Bah, Jumper, t'avances la ferme de 5 mètres, je passe derrière toi, Danny est derrière toi, il prendra la ligne et moi je vais wedge la porte. Et qu'au son ? Face de moi, je pense. Ouais, bouge plus. J'ai la ligne au cas où. Ouais, c'est un bâtiment inaccessible. Ok, commence à décaler avec moi sur le côté droit. On prend l'info sur la gauche. Ok, RS à gauche et on arrive sur la porte à Grumpy à gauche. Et à droite, il faut qu'on aille la vérifier. On sait pas ce qu'il y a dedans. Ok, je vais regarder tout. Mets-toi bloc là. Vise les fenêtres, Danny, s'il te plaît. Le temps que je check, moi.
Ok, Jumper, limite, mets-toi debout derrière moi pour me protéger des fenêtres avec ton bouclier, s'il te plaît, poulet. Ok. Ok, il n'y a pas de piège à la porte, mais pareil, je vais rien voir parce qu'il y a trop d'herbe. Peur, c'est fils de pute. Ah, ah, décale, ouais, crabe gauche. Ouais, bien joué. Ouais, gauche. T'envoies une smoke. Il s'est rendu. Négatif. Bien joué, la smoke. La smoke, elle est parfaite, les gars, c'est il avait pris la flash. Vous êtes des monstres. On pourra pas vraiment faire grand chose, lui, hein. Ah ouais, non, lui il est... Ok, moi je vais le garder en joue. Il y a plusieurs packs, hein. Il y a pas... Je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre que le garder en joue. On s'en fiche, okay. Il est en joue, les gars. On peut rien faire, vous continuez, comme s'il était pas là, lui. On va décrocher par derrière, en fait c'est là, okay. La porte est même ici, là, derrière. Vas-y, Danny, qui pas Jumper. Vas-y, Jumper, Danny derrière. Ah. J'ai tiré dans la poutrelle. Ras, pour l'instant, je check hard gauche. Bah, de gauche clair. Tu vois, que j'ai un peu progresse. Non, c'est, quand même, non, c'est bon, Jumper. Ouais, clear Ras. Tu peux revenir, okay. Sur toi. Tu peux recoller sur un. J'ai pas vu cette porte, moi. Ouais, moi non plus, mais maintenant on la voit, vu qu'elle est ouverte, il vient d'ouvrir en fait, je crois. Ok. Je vais aller checker sous la porte en face midi, là. Ouais, il va pas bouger, j'aurais voulu qu'il se retourne. Mais bon. Ok. Vas-y, Grumpy, allez, mon poulet. Ouais, je suis en train de checker. Excuse-moi. Ok. Il se relève. Non, il bouge. Non, okay. C'est moi qui ok, bien pris, bien pris. Ok. Là, si on rentre par là, j'ai un pax. Je sais pas si c'est 6000 hostiles dans une pièce à 20 mètres à mes midi. J'ai à gauche un sort de. D'armoire et un escalier montant. Donc ça va être trop risqué de passer, okay. Par ici. Vu la situation dans laquelle on est, Baizou, est-ce que je peux te demander de passer sur ton arme, d'accord? Ouais. Ok, tu passes sur ton arme dans ce cas-là et tu le fais que de le garder en joue. Ok, taser ou ce que tu veux, ok. Okay. Please, pas de tête s'il se relève. Il va se relever, fils de pute, on n'est pas dessus, d'accord. Donc anticipe le fait que tu lui mettes une bonne dans le torse, d'accord. J'ai peur, Danny, décrocher, on va... En fait, le mieux, je pense, qu'on va faire, c'est passer par la pièce qui est là, qui a été wedge. Ok, vas-y, let's go. Sorry, Baizou, à tout à l'heure. Enfin, les packs à l'intérieur, là. Ok, je vais checker l'intérieur. J'avais déjà checké tout à l'heure, ça me... C'était pas... Il est sur le balcon, C'est bon, il est géré. Ah ouais, il est sur le balcon, fils de pute. Oui, on sait qu'il est sur le balcon. Oui, mais sauf que j'arrivais pas à le toucher. Bon, bah, d'accord, ok. On va essayer de le viser, connard. Non, t'es sûr? Putain, la vache. Ouais, viens avec nous. Non, mais je fais confiance à Danny, moi. À l'autre. Il est sur le balcon. Oui, c'est pas l'information capitale qu'il nous fallait qu'il était sur le balcon. Sachant qu'il était sur le balcon, en fait, la dernière fois que je l'avais vu. Hein. Mais ça passait pas à travers les trucs, là. Ah bon, c'est passé, en tout cas. En même temps, bah, visiblement, c'est passé pour certains. C'était l'inclinaison, je pense. Oui, l'inclinaison, oui. Sur la personne qui ne bougeait pas du tout, du coup. T'as réussi à le rater, fils de pute. Okay, du coup. Alors qu'on lui a dit tout le scénario qu'allait se passer, hein. On lui a dit il va se relever. Hein. L'inclinaison, j'ai envie de te niquer. Putain. Qui a lâché une caisse là? Et pourquoi tu les prends là? Tu vas les mettre où? Je les mets juste là parce qu'ils gênent dans la porte. Oui, bien vu. En vrai, ouais, sur le côté, ouais. Parce que s'ils prennent un gros travers, c'est bon quoi. Pas sûr. Ah oui, ok. Il est sur le balcon. Il a un t-shirt. Information capitale. Allez, stop là. Concentre-toi un peu. Camlin. Where are you taking me? C'est quoi ce? Il y a quelqu'un qui joue de la flûte là, non? On est bon ou pas, les gars? Ok, alors là, sous la porte, qu'est-ce que je vois? La porte n'est pas piégée, de une. Ensuite, face à moi, midi, à 5, 2 mètres même, j'ai un plein mur, quoi, voilà. À 11h, on a une porte ouverte qui donne sur l'escalier montant. Ensuite, à nos 10h, pile 10h, on arrive sur une porte, enfin, un sort de arche ouverte. Je vois pas de porte, donc ça se trouve, c'est juste une arche. Qui donnerait sur une cuisine et à droite c'est Ras. C'est une armoire, mais je vois l'intérieur de l'armoire, elle est vide l'armoire. Ok, Grump, comment on la joue?
Soit on rentre ici à deux. En gros, ce qu'on fait, c'est on ouvre, on pique, on open, on bouge plus. On envoie une smoke pour le bas des escaliers. Attends. Wait, excuse-moi, poulet. Il y a trois étages, mais c'est un grenier, l'étage. Le dernier. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de taper dans le grenier directement. Donc, au mieux, tu veux pas plutôt taper la porte dans... Attends, autant pour moi. Si. Regarde, mon poulet. Regarde la map. Ok, on fait les choses proprement. Parce que le truc, là, si on rentre dans l'extension, visiblement, d'ailleurs, qui est un bug, une fois de plus... Parce que on c'est est balconie, nous, techniquement. Si je regarde par rapport à... Si. Non, on est dans l'extension. Non, il a raison, on est dans l'extension. Là, on va mais l'extension, il manque une map. Il manque une porte. Elle est là, la porte. Oui, c'est pour ça, mais par rapport à ce que je vois, donc, en fait... Ok. Du coup... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, il y a peut-être un... Ok, il y a une couille. Bon, en tout cas, moi, j'ai plutôt envie qu'on tape là, au niveau du balcon. D'accord. Ça nous permet, du coup, de jouer la bedroom sur le côté en 1. Ouais, mais c'est second floor, le balcon. Oui. On y monte comment? Mais c'est quoi le problème? Je préfère qu'on parte du haut et qu'on descende que l'inverse, ah moi. Ah oui, ok, oui. En plus, on peut aller taper le pack sur le balconique. Je vais te rajouter, du coup. Il est là, maintenant. Ok? Ouais. Et ça te va ou pas? Ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, l'idée, c'est de jouer la bedroom qui sera déjà en face de... qui sera à notre gauche. Ok, tranquillement. Et ensuite, d'aller jouer le HUF, là. Donc la master bedroom, les deux bedrooms qui seront à notre gauche. Ok? Ensuite, grenier, et ensuite on discute. D'accord? C'est bon? Merci. Ok, très bien. Bah alors, let's go. On décroche, on va là. Attention à la fenêtre de la bedroom, du coup, qui est à 11h. Qui est à 11h pour toi, Jumper. La porte en elle-même n'est pas un problème, ça peut être que la fenêtre de la bedroom ou le mec qui serait passé par le garage et qui nous fait le cul qui pourrait être un problème. On y va, on avance, hein. On s'arrête pas. Baizu, tu peux sortir ton arme parce que de toute façon, ça ne servira pas à grand chose. Il n'y a pas besoin de deux shields sur la colonne, là. On regarde bien, il n'y a que la fenêtre qui peut être problématique. Allez, on avance. Et on l'a joué. Il n'y a que la fenêtre qui peut être problématique, Baizu. Okay. T'as entendu ce que je t'ai dit? Là, juste là. Anno, voilà, ça pue le cul. Anno midi, on est à la porte de la salle de bain. Il y a à peu près 10 mètres qui est ouverte. On a deux portes ensuite sur la gauche qui sont ouvertes. En gros, une porte à 2 mètres ouverte. Oui, la porte de la bedroom, une porte à 5 mètres un peu plus loin. Oui, c'est la porte du HUF, oui. C'est ça. On a l'escalier montant et un escalier descendant sur notre droite. Le premier, à 5 mètres, c'est l'escalier descendant. Oui. Et à 10 mètres, l'escalier montant. Montant qui va dans le grenier, c'est ça qu'on va jouer. Donc, le but du jeu, ok? Main courante à gauche, tranquillement. La première bedroom, c'est celle qui est c'est ta première porte à gauche, d'accord? C'est celle qu'on va vouloir jouer, d'accord? Deuxième porte, main courante à gauche, la plus loin, celle qui doit être à 6-7 mètres, c'est la deuxième qu'on jouera. Et ensuite, on va jouer le grenier, d'accord? Tout en faisant très attention, midi à la bathroom, ok? Monsieur. D'accord, mais pour le moment, on peut ouvrir tranquille, en dry, et puis on peut s'amuser à balancer un peu de stuff à l'intérieur de la bathroom, ok? Ils ont pas de masque à gaz. Est-ce que t'arrives à voir le truc là qu'on a mis pour bloquer la porte? Je le vois pas. Ouais, je le vois. Vous avez une arme là, je la prends. Ouais. Ok, nickel. Clean. Ok, je vais redescendre pour pouvoir balancer une smoke loin. Ok. Ok, je pique. Il faut un Pax derrière le jumper qui est prêt à rentrer. Bazou. Ok, je vais smoker loin du coup. Ok, t'es prêt, jumper? Ouais. À 3, j'open. 1, 2, 3, go. Je balance une smoke loin. Elle est dans la bathroom. Elle est propre normalement, voilà, super. Ok, maintenant jumper, tu rentres. Ça gueule pas dans la bathroom? Non, ça gueule pas. Ok, super. Je manque la bathroom. Et on va y aller à gauche, vous allez y aller tous les deux. Jumper plus Baizu. Ok, top. 3, 2, 1, top. Allez, debout, jumper. Je vais dedans direct. Ouais. Vas-y. Ça gueule, hein, écho son. Fais une main courante, à droite, mon poulet. Ouais, stop. Reste là. On voit rien. Ok, reste. Ça gueule, hein. Ouais, c'est de l'autre côté, je crois. Ras, on est à la porte.
Ok, très bien. Fais gaffe, à votre 3h, il y a une porte qui est ouverte, qui donne sur une pièce. Ok, très bien, bah tu te mets au niveau du coin, toi, d'accord ? Et il y a une deuxième porte plus loin encore. Ok, mets-toi au niveau du coin, Jumper, mets-toi au niveau du coin. Ok. Tu peux la smoker, Baizu ? Allez, smoke la porte en face, on peut utiliser du stuff, là. D'accord ? Tu peux la smoker, la porte à tes 11h que t'es en train de regarder, Grumpy, s'il te plaît ? Ouais, ça putain la vache. Ok, tranquille. À tous, ouais, je vois votre fumée, ça tous. Ok, d'accord. Jumper plus Grumpy, vous partez tous les deux à droite, s'il te plaît. Baizu, tu pars à gauche avec moi, d'accord ? Bien pris. Ok, tu veux que je prenne le shield ou pas ? Non, ma courante à gauche, tranquille, sans shield. Ok. Go. Info passion, je crois que c'est le mien qui tousse. Vas-y, Jumper. Avance, poulet. Stop. Ok. J'ai le balcon. T'as des wedge, Baizu, s'il te plaît ? Affi. Ok, très bien, parfait. Il y a Danny Kadaline sur le pack. Voilà, maintenant, avance jusqu'à la porte. Voilà. Wedge. Il y a un pack ou pas ? Non, rentre dans la baignoire, rentre dans la bathroom, va voir. Wedge là, t'as raison. Vas-y, Jumper, chahute-toi, poulet. Escalier à mes midi. Est-ce que tu vois une porte là en haut, Baizu ? Ouais, bah je vois juste le grenier, je vois des chaises. Ouais, mais tu vois pas une porte. Répondez vite aux questions, les gars, s'il y a une porte, ok. Ah, si, oui. Ouais, ok, remplace la porte, s'il te plaît, avec ton shield. Bien pris. Doucement. Ouais. But du jeu, fermez la porte. Ouais. Ok, vas-y, c'est bien. Mais non, c'est bien, t'es un monstre. Voilà, ça va me permettre de la fermer. Hop là, tu peux la wedger. Jumper, recule un peu, poulet. Parce que là, s'il y a un mec qui arrive dans les escaliers, ça pue. Ok, c'est wedger en bas. Allez, let's go, on continue. Main courante à gauche, mon poulet, t'es un monstre. Vas-y, Grumpy, tu peux prendre la relève. Et l'autre Jean-Maurice, là, on n'est pas allé. Pourquoi t'es là, Denis ? Mais il est. Ne vous inquiétez pas, les gars, faites confiance. Ah, le mec du balcon ? Ah, d'accord, ok, excusez-moi. D'accord, j'ai rien compris. Ok, bah vous êtes des monstres. Oh putain. Okay. C'est pas wedge là, hein, la porte. Hein. Non, mais il y a l'escalier. Mais donc, oui, mais attends, voilà, mais pas ok, du coup, ok, il a. Ok. Mets-toi, la porte de droite, elle est ouverte. Mets-toi contre le poteau de l'escalier, s'il te plaît. En exactement. Juste là. Voilà, exactement. Comme ça, nickel. Jumper, du coup, tu traverses, toi, tu fais main courante à droite, du coup, pour la porte. Après. Voilà. Nickel. Ouais, voilà, nickel, on est bien. T'inquiète. Voilà, et je check en dessous de la porte, là, on sait jamais. Ok, la porte, elle est pas piégée. Par contre, j'ai... Face midi, j'ai rien, mais par contre, tout à droite de la pièce, j'ai un paravent qui m'empêche de voir ce qui se passe à droite. Mais après, on s'en bat les couilles, non ? Tu l'as wedgé, la porte ? Je la wedge. Ouais, bah voilà. Allez, ouais, et du coup, on joue sur les ouvertures, en avant. Il y a une porte face midi en bas, du coup, pareil, on va la wedger, celle-là. Ok ? On sait pas ce qu'on a. Moi, les gars, de mon point de vue, là, à mes midi, tout au fond, j'ai la porte d'entrée rouge qu'on a wedge tout à l'heure. Et après, ouais, ok. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture, du coup, sur la droite, quand vous descendez l'escalier à 2 mètres sur la droite. Là où je regardais, que je disais, okay. On voit la cuisine et tout. Et sur le côté gauche, j'ai aucun visuel. Je peux pas vous dire s'il y a une ouverture. Ok. Jumper, avec ton arme là, perle, enlève ton shield de 2 secondes et balance une smoke en face. Dans la porte, dans la porte qui est ouverte. Face midi, là où il y a le laser. Allez, on voit si ça fait gueuler un peu. Ça gueule. Puis ouais. Ah. Ok. Juste en dessous, il y avait un pack dans la tranquille, cuisine, tranquille. Comme je vous avais dit. Il vient de lâcher pas son de visuel. Il vient de lâcher son arme, j'ai entendu. Ok. J'ai pas de visuel, Moi non plus. Ok, tu peux t'accroupir, Baizu, si tu veux. J'entends deux personnes. Toujours pas de visuel. Ok, la même, il y a zéro visuel, ça veut pas se rendre. Hein. Ok, on va refaire exactement la même chose du coup, et derrière ça va nous permettre d'aller la fermer la porte. Jumper, vous allez faire une main courante à droite pendant que moi je garde la ligne dessus, donc tu smoke l'intérieur du machin et ça vous permet de ne pas y aller, d'accord, et d'aller fermer la porte. Bien pris. Et top. Et c'est Grumpy plus toi qui est avancé. Allez, vas-y, vous descendez, vous coulez. Doucement. Ah, ok. Ça bouge, non ? Ça bouge un peu, ouais. Ok. Allez, fermez la porte si vous pouvez.
Bien vu, okay, ça. Attention derrière. Vas-y, vas-y, va, enroule à gauche, enroule à gauche. Main courante à gauche. Décale-toi à gauche, Jumper. Okay, okay. Oui, c'est ce que je voulais protéger là... derrière. Ah, ouais. Je peux pas wedge, j'ai plus de wedge, putain. Stop, Baizou, stop, Baizou, stop, Baizou. Ok, nickel. Sous l'escalier, je vois rien, du coup. Ouais. Ok, Baizou, allez, Jumper, tu peux faire main courante à droite jusqu'à la prochaine porte, vous me la wedgez, vous continuez dans le couloir. Voilà, super. Tranquille, la pousse pas trop, après c'est la merde. D'accord, tu... vas-y, coiffe l'objectif, Jumper. Continue tous les deux, on s'en occupe de la porte. Vas-y, Baizou, s'il te plaît. Continue aussi. Et wedge la porte maintenant. Allez, go. Couleur sur ma gauche. Ok, bouge plus, Jumper. Ouais, tu continues maintenant. Mets-toi ma courant à ta gauche. Ma courant à ta gauche. Voilà, nickel. À droite, normalement, t'as rien. À droite, ça a l'air d'être clair. Ok, nickel. Vas-y, Grumpy, voilà, tu reprends le lead. Nickel, midi. Ok, tu vas me faire une ouverture d'angle à ta gauche. Moi, je tiens les midi. On est 4 là, de toute manière. Ok. À ta gauche, qu'est-ce que tu vois? Ras. Y'a pas de fenêtre, y'a pas de porte. Enfin, j'ai la porte principale et je sais que ça, du coup, ça donne sur le garage. Qui est à gauche et qui est fermé aussi. Ok. Ok, ça marche. Tu vas te mettre là, tu vois le petit meuble à droite, tu vas te mettre collé à autre chose, tu vas le mettre derrière toi. Ok. Vas-y. Hop. Baizou, remplace la porte face midi, please. Oh, non, la porte face midi, les toilettes. Ouais, vas-y. Voilà, reste comme ça, allez, nickel. Stop. Je la ferme. Enlève-toi, vite. Allez, wedge, s'il te plaît. Ok, on a une ouverture là. Jumper, reste debout, j'aime bien quand t'es debout, moi. Jouez plutôt sur les gauches et la droite, les gars. Ok. Jumper, tu vas continuer ton mouvement. Main courante à droite, du coup. Avec sur les ordres de Grumpy. Et derrière, faut aller. Celle-là, elle est déjà wedge, les gars. Et la porte face midi, elle est wedgée. Donc, du coup, il n'y a que l'ouverture à droite. Vas-y. Dès que c'est bon pour toi. Et le placard à gauche. Vas-y, Jumper, quand tu veux. Tu me fais l'ouverture d'en haut. Pour ta peine qui donne sur une pièce. Ok. Non, mais t'as besoin d'avancer, poulet. Juste okay, mets dans l'angle. Ouais, et baisse-toi, Jump. Tu vois. Ah. Regarde sur ma cam, Grumpy. Tu peux aller remplacer la porte en étant accroupi, poulet. Ouais, ok. Jumper. Ok. Vas-y. Et ferme la porte. Non, pas du tout. On la ferme. Jumper. Okay. Allez, on la ferme. Jumper recule. Impeccable. On wedge, please. Retourne-toi, s'il te plaît, Grumpy. Ouais. Retourne-toi, regarde-moi. Là, juste derrière toi. Regarde, il y a un placard. Ah oui, ok. Ok, oui. 3, 2, 1, top. Ok, gauche, rien. Ras. T'as le petit placard de pute là. De côté, ça s'ouvre pas. Ok. On va laisser ouvert. Ok. Là, ça doit être le garage, non? On continue. On continue du coup. Non, ça doit être. Ça, c'est un placard, poulet. Hein. Vas-y, tu peux l'ouvrir, celui qui est derrière Denis. Ça, c'est le garage. C'est le garage. Ouverture dans l'angle à gauche, Denis, je peux pas voir moi. Ils ont des renforts, ces petites. Ok, super, Ras. Nickel. Il faut que tu pousses, poulet. Là, c'est le garage, la porte ici. Hein. Ok, lequel? La porte le rouge garage. Non, celle-là. Non, ok, bien pris. Check dans le garage, s'il te plaît, s'il y a personne là. J'ai checké déjà, mais je recheck encore une fois. Il y a personne dans le garage actuellement, mais il y a toujours le trou que je vois là, mes midi là. Le trou dans le garage. Ok, très bien, ça marche. Allez, du coup. Il y a un pax dans le trou. Dans le trou. Ok, ça veut dire quoi? Ça, c'est la porte d'entrée, ça? Là, c'est la porte d'entrée devant moi, là? Ici, là? Ok, on unwedge la porte d'entrée. Baizou, tu sors avec Denis, s'il te plaît, et vous allez au niveau du garage. Faites gaffe, vous avez compris, il y a un mec au niveau du trou, d'accord? Et Grumpy, vous allez... Attention, je regarde s'il n'y a pas un piège. Ouais, là, ça aurait été fatal. Vas-y, Baizou. Non, il y en a pas. Doucement. Vas-y, doucement. Ouais. Doucement, à gauche, hein. C'est Danny qui lead. Et tu fais une main courante gauche, tout le temps. Jusqu'au niveau de la voiture, continue. Grumpy, du coup? Quand t'arrives à l'angle de la voiture, là, ce qu'il faudrait, c'est que... Tranquille, les gars, décalez pas. Tu piques, je t'ouvre la porte et t'envoies une smoke face midi. Ou j'envoie une smoke face midi. Ok, je vais piquer, je vais ouvrir la porte et tu peux déjà dégoupiller ta machine. Je fais tout pour toi, ok? Dégoupiller. Ok. Jumper, t'es prêt à partir, toi? Les gars, après on top action. Chez vous? Ok, ouais. Ouais, tu feras ma courante à gauche et tu rentres dedans. Au cas où, quand même, accroupi. Mais après... Jumper, il veut dire. À gauche de la porte, du coup. Ah, Jumper, ouais, non, oui, vas-y, Jumper. Jumper, à gauche de la porte, à droite de la porte, du coup. Jump. À droite. Mets-toi à l'angle à droite du garage, du coup. Ouais, ce que je vais faire. Nickel. Parce que je vois pas les noms. Je unwedge, c'est parti. Ok. Je vais piquer la porte. Ok. On va pas prendre de risque, du coup, Jumper, pousse-le légèrement la porte. Parce que nous, on peut vraiment lancer une smoke sans danger pour le coup. Bah là, y'a pas de danger. Vas-y, Grumpy, go. Top.
Oh putain, je l'ai chié. Ouais, pas dedans. Dans le garage. Elle peut marcher quand même. Bah, ça touche pas. Pas pour l'autre. Dans le garage à nouveau. Ça touche. Ça touche. Allez, go, top ça action. Touche. Jumper, go. Grumpy, go, les gars, go. Top. Le jumper, tu fais. Faut aller face au trou. C'est pas grave, il l'a pas vu, il pouvait pas le savoir. Ah, ok. Tiens, il l'avait tout à l'heure. Il est dans le trou ou pas? Affi. Ok, gros jumper, reste face midi, passe par rapport au trou, je reste tout seul, les gars. Ça, je vois rien, moi. Face midi, colle-le le trou, please, jump. Il faut jouer de l'autre côté, les gars, faut jouer de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est l'un des civils. Ok. Vas-y, on avance. Techniquement, il serait derrière. Ouais, Bezout, s'il y est, toi. Ah ouais. Ok, mais faites gaffe, pas trop vite, on check en dessous, moi je l'ai en joue, donc on a le temps. Il n'y a pas de piège sur la porte. Ok, c'est un civil, il y a une porte un peu plus loin qui est ouverte. À Styx, à T1h. Ouais. Ok, ça... Elle est fermée, négatif. Okay. Ouais. Non, mais de moi où je jouais, en fait, bien prêt, ça marche. Et elle est rase la pièce, il n'y a personne au fond à droite. Donc j'ai unwedge. C'est déjà fait. Ok. Bah vas-y, j'ouvre Baizu. Okay. Baizu, tu fais, du coup, tu t'en fous de l'objectif, tu vas jusqu'à la porte, d'accord? 3. Ok, hop. Allez, Baizu, main courante à gauche avec Dani. Mais c'est une kitchen, hein? Non, derrière toi, main courante à gauche. Main courante à gauche, t'entends dit. Autant pour moi, peut-être qu'il y a des choses que je vois pas. Bah ouais, il y a une kitchen, vous voyez pas. Autant pour moi. Et le bonhomme, vous le gérez, moi j'ai plus le visuel, les gars. Je cherche le bonhomme. Ah, ok, d'accord, putain, la kitchen, d'accord. Ok, jumper, on décroche, vas-y, go. En fait, on avait une kitchen, mais qu'on voyait pas vu que la. Eh, la porte d'entrée, c'est. Ah oui, ok, c'est normal qu'elle soit ouverte. Autant pour moi. Ok, la vache. Bougez pas, les mecs. Ok, c'est Welch aussi, nickel. Ils sont passés par là? Non? Ouais, Afi. Ok, nickel. Ok, là, c'est Wedge, du coup. Afi. Oh, l'horreur, putain. Ouais. Ok, vas-y, bah, Baizu, mets un courant à droite, juste pour voir déjà s'il y a du Pax derrière. Ok, Danny, suis-le. On a un visuel sur une porte fermée à droite. Danny, suis-le. Oui. Il y a un placard à nos midi. Y'a pas de piège là? Et une porte au 9h. Ouais. Okay. Mais ils sont toutes fermées. Ok. Vas-y, avancez. Ouais, mais là, en gros, ça donne... Oui, non, bah, là, c'est bon. En fait, ça donne sur le truc où il y a le billard la porte. Ouais, ils sont toutes wedge. Ouais. Tu veux un wedge dans ce cas-là. Ouvre le placard. Ok. Ici, et du coup, c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on était là dans. Et on aurait pu aussi jouer là, du coup. Mais ok. Oui, non, mais après. Ok, ça marche. Ouais. Allez, du coup, on remonte directement, on tape le grenier, on fait les étages dans l'ordre, d'accord? Le grenier, le problème, c'est qu'il va y avoir qu'un seul endroit d'insertion, d'accord? Et visiblement, comme tous les greniers de merde, j'ai l'impression qu'ils donnent en plein milieu du grenier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire on rentre et ça part. Ouais, il y a du renforcement tout droit, à droite, à gauche, d'accord? Seul moyen du coup, ça va être de balancer smoke loin, smoke proxy, smoke derrière, ok? Avant d'y aller. On smoke toute l'intégralité du grenier, nique sa mère. Allez, on monte, jumper, souvent les greniers c'est... C'est en haut. Grumpier, je sais pas comment c'est en Belgique, jumper. Ouah, pardon, j'étais concentré sur... pas le grenier. Après, on n'a pas checké encore les portes qui sont Bon, on ira tout à l'heure. Là, c'est verrouillé pour le coup. Attends, Baizu. Bah, on avait dit jumper. On avait dit le grenier. Ouais, grumpier. Grenier tout en haut, exactement. Il a raison. Ok, tu peux y aller, grimpe. Ouais, non, mais je disais d'attendre. Ah non, mais j'allais rien faire. Ah oui, il me reste 3 smokes, hein, si vous voulez. Vraiment. Ouais, bah là, on va balancer du stuff, hein. On va balancer du stuff, les gars. Il n'y a pas de piège à la porte. Ok, par contre, de toute façon, on va faire que une seule jumper. Tu peux passer sur ton arme. Ce que je viens de faire, ouais. Ouais, t'es un monstre. J'ai aucun visuel. Je vois juste midi que. Non, mais c'est comme il disait aussi que c'est genre on est en plein milieu du truc, il faut envoyer du stuff partout. Moi j'ai 6 smokes. S'il y a rien en face, je balance un rebond et basta. Non, tu fais rien toi parce que t'as le shield et c'est le seul moyen. S'il y a un mec qui est contact à droite, du coup on va se faire enculer. Donc il faut que tu restes sur le shield, d'accord? Ok, donc, je bouge pas. Du coup, on va unwedge. Jumper, tu peux balancer une smoke loin, d'accord? Tu vas venir proxy, tu vas en venir en balancer une quasiment proxy à droite de la porte, d'accord? Et derrière, on push ensemble. Loin et proxy, du coup. Ouais, une loin, une proxy, d'accord? Déjà, on va ouvrir dry, tranquille. La porte, elle était ouverte tout à l'heure. Donc je vais unwedge maintenant. Je vais pick juste maintenant. Je vais reculer de 2 mètres, tranquille. On bouge pas. Baizu, tu bouges jamais, ok? Ok. D'accord? Je vais pusher la porte, faites gaffe. Ça peut commencer à tirer.
Je pousse, je recule derrière Baizou. RS. Ok, okay, vas-y. Et tu peux balancer une au fond déjà. Voilà, c'est propre. Elle est belle. Une proxy. Au niveau de la porte. Oh, elle est parfaite ça, celle-là. Droit, ça, elle est magnifique. Ah, ouais. Et Baizou, du coup. Ça touche, hein? Non, négatif. Ok, Baizou, non, Baizou, tu pars directement à droite avec moi et les autres à gauche et tout droit, ok? Allez, oui, 3, 2, 1, top, Baizou, go. Droite, c'est clear, on a un renfort. Gauche, c'est rage pour l'instant, on sort une porte. Ouais, tranquille. À droite, on a une porte à droite. On a encore. Ouverte, ouverte. Reprends ton shield de après, ok, Baizou, Baizou, recule de 1 mètre, t'as un monstre poulet. Laisse-moi prendre la ligne en dry comme ça. Je vais fermer la porte. Vous avez une porte en haut ou quoi? Vous aussi? Ok, d'accord, donc ça donne sur la même chose. Ok. Oui. Je vais pas la fermer. Watch les wedges. Ok, les wedges, viens, on passe avec eux. Je peux pas la fermer. Non, ferme-la pas. Ok, pas de problème. Vous avez pas besoin de la fermer du coup. On va avancer avec vous. Grumpy, dès qu'à la gauche, je vais voir ce qui se passe sous l'autre porte. Tu vas voir, ça donne au même endroit en règle générale. Enfin, à mon avis. Baizou, tranquille, hein. Une seule colonne, ça ira. Enlève ton shield, poulet. Balance du stuff à l'intérieur, fais tousser, s'il te plaît. Face midi, mais j'ai pas de visuel. En fait, ça donne le même dispositif. Je mais pense. Il hein. Y a pareil, et je vois rien en fait. Ça tousse, hein. Ça tousse. Ça tousse. Ok, nickel. Vas-y, bah. Tranquille, attends, on attend, un peu. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est en dessous? On sait pas. LFPD. Ok, Baizou, pars avec Grumpy de l'autre côté, celle la porte que t'as refermée tout à l'heure, ok? Essayez d'avoir deux angles et vous balancez du stuff à l'intérieur, on essaie de les faire sortir, ok? Vas-y, tu ouvres la porte, je smoke. Vas-y, ouvre bien. Mets pas trop la lumière, Danny, parce que du coup, le shield... Enfin, je sais pas, Jumper, si... Ah, bah, ça va. Ah, ok, autant pour moi, alors. Sinon, okay, vas-y, on roule à gauche, on roule à droite. Au fond, à droite, je vois rien, moi. Oh, merde. Ouais, c'est pas grave. Désolé. Vous êtes rentrés les gars? Non. Rafi, on a une autre pièce, une autre pièce. Bon tranquille, nous il y a une smoke dans notre gueule. Ok, j'ai smoke en plein milieu de la pièce, ça gueule pas. Ok, on prend l'info tranquille alors dans ce cas-là. Hein. Ouais. On s'assure la possibilité que... Il a smoke sur vous, il a smoke à votre droite. Ok. Il y a notre gauche, ouais. T'as rien à ma gauche, Grumpy? Négatif. Ok. C'était en dessous que ça toussait peut-être alors. Ouais, c'était en dessous, mon avis. Je pense aussi. Hein. Jumper, tu peux y aller, faire main courante à droite tranquillement. Hein. Doucement, doucement, debout. Vas-y, Baizou, quand tu veux, tu rentres, t'enroules à gauche. C'est une porte là à ma droite, ça, ouais. Ouais, c'est possible. Il y a aussi un renforcement à ma droite, renforcement à ma droite. Le renforcement à ta droite, vas-y, regarde-le, le renforcement, rentre dedans. Clear, race. Ok, il y a une porte au fond, les gars. Non, ça c'est vous. On est ok, il y a. Attention, il peut y avoir un mec là-dedans. Si ça tousse, c'est là. Non, ça va ouvrir de ce côté-là. Quelqu'un peut checker, please? Ah, t'es là, ok, excuse-moi, Denis. 3, 2, 1, top. Race. La pression. Ok, y'a rien d'autre. Faites gaffe, vérifiez tout, les petits trucs de merde, les petits trucs de pute. Qu'on n'ait pas un mec qui soit planqué, quoi. Qui sont même pas marqués. Ouais. Là, y'a un armor là, ici. Au tout début. Ah, donc ça, c'était leur atelier de fabrication de. Oui, ils faisaient des pièces 3D, ouais. Ouais, tiens, on peut l'ouvrir. Vas-y, mets ton prêt. Moi, je peux pas, hein. Si t'avais pas l'angle. Ok, hop. Ouais. Grâce. Il y en a une autre là. Il y a plein de petits renforcements ici. Après? Vas-y. Ouais, il y a plein de petits renforcements de merde, on n'est pas naïf. Ouais. Et il y a des armoires. Ouais, vous avez fait. Il y en a une autre là, une armoire là. Elle était faite? Ok, vous êtes des monstres. Ok, super. Ok, du coup, let's go. Un premier étage et on descend. Hein. Pièce par pièce, on check, on y va et voilà quoi. On a du matos, on se fait plaisir. Mais on n'est pas naïf, c'est bientôt la fin. On a quasiment récupéré tout le monde. Allez, let's go. On avait ouvert la porte là? Oui, je pense, ouais. Enfin bon, j'espère. Bah non, parce que je l'avais wedge. Attends. Il y a une wedge, elle est wedgée. Je l'avais wedge, hein. Attends, c'est chelou. Ok, elle a été kickée la porte. Smoke dedans. Il y a la daronne. Smoke dedans, quand même. Je suis désolé, ici, à chaque fois, ici, j'ai un mal de tête, hein, donc...
Ok, attends, okay, attends, attends, ça, ça sort, la daronne Sacrée daronne, elle est derrière. La daronne, elle est derrière. Lui, je le voyais pas, je voyais pas lui. Ok, les gars, je l'appelle, attendez. Hein. Ouais, t'inquiète. Putain, le fils de pute, il avait kické le wedge, quoi. Ah, je savais pas que... T'en as même pas entendu. Non, non, non. Bah, c'est bon, Joe l'asthmatique, là. Il bouge là, c'est normal, ok, très bien. Baizou, Baizou, eh, quelqu'un peut se moquer à l'intérieur de la pièce, mais propre, s'il vous plaît, propre. Ok. Genre, prends son temps. Bah, j'ai le M301, quoi, mais bon. Non, okay. Non, je vais tuer la daronne, je vais tuer la daronne. Laisse tomber. Vous le gérez, les gars, vous l'avez en vue, lui? Ok, Baizou, please, on va pas rester là. Rentre à l'intérieur du truc, je te suis, d'accord? 3, 2, 1, top. Ok. Top. T'arrêtes pas. Y'a un placard de merde. Ouais. Une salle de bain, un placard. Y'a rien dans la salle de bain. Y'a le placard de merde, please, derrière moi. Ok. Ouais, attends, viens, on le check. Y'a rien. RS dans la salle de bain. Putain, ils ont vraiment fait des... Quelqu'un la GRL? Ok. Vas-y, tu peux y aller, Baizou, si tu veux. Je peux pas, je peux rien faire. Ok, je le fais. Attends, je le fais. Faites gaffe, je regarde s'il y a pas un piège. 3, 2, 1, top. RS. Sur l'ouverture du placard. C'était ça qu'il fallait en fait. Putain, mais l'autre il était avec. Avec la daronne. Je te jure que je le voyais pas, je voyais la daronne accroupie, mais le mec il est arrivé d'un coup, il a déboulé. Merci Nicologiste pour les 5 mois, merci Zartex pour les 38 mois. Putain, ça mérite plein de subs sur un S aussi exceptionnel. Magnifique. C'était propre. Une heure. Ouais. 59 minutes. Eh ben, sur ce. Abonnez-vous.